L'hyperconnectivité est omniprésente aujourd'hui, y compris dans les voitures. Si la famille Fiat 500 était déjà, suivant les finitions, compatible Apple CarPlay et Android Auto, c'est maintenant à l'assistant Google de prendre place à leur bord, le tout dans une série spéciale dénommée très logiquement « E-Google ». Les Fiat 500 et 500C de seconde génération, disponibles uniquement en motorisation hybride, ainsi que les 500X et 500L, se déclinent donc désormais avec la compatibilité e-Google. Concrètement, ce n'est pas directement dans les voitures que l'assistant Google prend place, mais dans l'application MyFiat, grâce à l'intégration des services Mopar Connect avec Google Assistant. Lors de la livraison de leur voiture, les clients d'un modèle e-Google recevront en plus un kit de bienvenue comprenant notamment un sac Google et un écran intégré intelligent Google Nest Hub pour communiquer avec la voiture depuis chez soi. Car l'intérêt de cette série spéciale est bien évidemment d'interagir avec sa Fiat 500. Pour cela, deux possibilités, l'écran Google Nest Hub ou plus simplement son smartphone. Il suffit de poser sa question oralement pour savoir par exemple où est garée sa voiture, combien d'essence il reste dans le réservoir, le kilométrage de la voiture ou encore si les portes ou le coffre sont bien verrouillés. Esthétiquement, la famille 500 et Google se distinguent pour l'ensemble des modèles par la possibilité d'une carrosserie bicouleur blanche en bas et noire au-dessus des rétroviseurs, par le badge et Google sur les ailes avant et des montants centraux reprenant la stylistique colorée et Google. Ce même motif stylistique se retrouve à l'intérieur sur la partie centrale des sièges. On retrouve également une étiquette brodée et Google, une planche de bord intégrant un bandeau gris mat et un logo 500. Enfin, la page d'accueil de l'écran de 7 pouces affiche la signature animée e-Google. Les petites Fiat 500 et 500C e-Google se distinguent des autres finitions par des jantes en alliage de 15 pouces, de nouveaux intérieurs sombres, des sièges réglables en hauteur et par un volant sport soft touch avec commande intégrée. Elles reçoivent également de série le régulateur de vitesse, la radio DAB Uconnect 7 pouces avec CarPlay et Android Auto, le radar de recul, le capteur de pluie et de luminosité, la banquette fractionnable 50-50 et les vitres arrière surteintées. Trois déclinaisons de coloris sont proposées, crossover black et en option Bossa Nova White ou bicolore tuxedo blanc et noir. Pour sa part, la 500X e-Google reçoit des jantes en alliage de 17 pouces, des phares anti-brouillard et des vitres arrière surteintées. À l'intérieur, elle dispose d'un volant soft touch avec commande intégrée, du siège conducteur et de l'accoudoir avant réglable en hauteur, du système Uconnect 7 pouces HD avec Apple CarPlay et Android Auto, de 6 haut-parleurs, des capteurs de stationnement arrière, des capteurs de pluie et de luminosité, ainsi que de l'ouverture et du démarrage sans clé. La série spéciale e-Google est disponible pour les deux motorisations essence Firefly, 1 litre de 120 chevaux et 1 litre 3 de 150 chevaux, et les deux motorisations diesel Multijet, 1 litre 3 de 95 chevaux et 1 litre 6 de 130 chevaux. Trois déclinaisons de teintes de carrosserie sont proposées, noir cinéma ou en option blanc de gelato et bicolore tuxedo blanc-noir. Enfin, la Fiat 500 L e-Google reçoit des jantes en alliage de 16 pouces, l'autoradio DAB de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, la climatisation manuelle, les capteurs de stationnement arrière et les capteurs de pluie et de luminosité. Disponible uniquement en motorisation multijet turbo-diesel 1 litre 3 de 95 chevaux, la Fiat 500 L e-Google se décline elle aussi en trois coloris, noir cinéma et en option blanc de gelato et bicolore tuxedo blanc-noir. Les tarifs ne sont pour le moment pas encore connus.